Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League le 21 septembre. 8 matchs à analyser ensemble sur cette vidéo avec l'Olympiakos contre Fribourg, les Glasgow Rangers contre le Betis de Séville, l'Union Saint-Gilloise contre Toulouse, le premier club français, Linz contre Liverpool, le Panathinaikos contre Villarreal, Rennes contre le Maccabi Haïfa, le second club français en compétition, Brighton contre l'AEK Athènes, la première rencontre du groupe de Marseille, et enfin l'Ajax contre l'OM. Beaucoup de choses à dire lors de cette rencontre. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Cela fait avancer tout le monde. Et le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et n'oubliez pas, on est déjà 14 500 dans la communauté. C'est exceptionnel. Rejoignez-nous. Et on attaque avec le groupe A et l'Olympiakos contre Fribourg. L'Olympiakos est actuellement en tête de son championnat, un peu comme d'habitude. Ils n'ont quand même qu'un seul point d'avance sur le Panathinaikos, qui a tout de même un match en retard. En tout cas, dans les derniers résultats, c'est plutôt pas mal. Ils viennent de se faire accrocher, certes à l'extérieur, mais c'était à l'AEK Athènes, une autre équipe européenne. Et ils avaient juste avant réussi 4 très belles performances, marquant toujours au moins 3 buts, que ce soit en Ligue Europa lors des qualifications et également en championnat. 4-0, 2 fois à domicile contre des équipes grecques, et ils avaient donc éliminé au tour de qualification pour la Ligue Europa une équipe serbe, gagnant à l'aller et au retour assez facilement. On peut juste noter que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 5 reprises, donc c'est une équipe très solide quand elle reçoit. Et elle va jouer contre Fribourg, une équipe qui vient de se faire étrier à la maison 4-2 contre le Borussia Dortmund. 2 défaites lors des 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Juste avant la trêve internationale, il s'était qualifié en Coupe d'Allemagne contre Karlsruhe et avait par contre essuyé un énorme revers comme contre le Borussia Dortmund. Ils avaient même pris 5 buts à Stuttgart. Après pourtant avoir très bien débuté, battant Hoffenheim et le Werder de Brême, ils sont donc légèrement sur la pente descendante. Et sur cette rencontre, je verrai plutôt l'Olympiakos s'imposer 2-1 et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,57. On poursuit avec les Glasgow Rangers contre le Betis de Séville, le groupe C, avec les Glasgow Rangers qui ont été sortis de la Champions League par le PSV Eindhoven assez sèchement au match retour, 5-1. Depuis, les résultats sont plus ou moins moyens. Certes, une victoire à l'extérieur à St. Johnstone, mais surtout une défaite dans le derby contre le Celtic. Une défaite 1-0 à la maison. Ils sont actuellement 4e en championnat, légèrement décrochés. Certes, ce n'est que le début, mais les résultats sont plutôt moyens pour leur ambition. Du côté du Betis, c'est à peu près pareil. Une 10e place en championnat avec 7 points en 5 rencontres. Ils viennent de se faire étrier au FC Barcelone 5-0. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Même si ça avait très bien débuté avec une victoire à Villarreal, ils avaient enchaîné avec un match nul contre l'Atlético de Madrid. Mais les grosses défaites à l'extérieur à Bilbao et à Barcelone ont calmé tout le monde. Ils ont tout de même réussi à gagner 3 points contre le Rayo Vallecano entre ces 2 grosses défaites. Donc ils sont franchement meilleurs quand ils sont à la maison actuellement que quand ils se déplacent. Mais entre 2 équipes qui sont en mal de résultats, je vois tout de même le Betis de Séville s'imposer à l'extérieur 2-1 et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,54. On poursuit avec l'Union Saint-Gilloise contre le Toulouse Football Club. Le club promu la saison dernière a réussi à se qualifier pour la Coupe d'Europe en gagnant la Coupe de France. Ils vont avoir fort à faire en se déplaçant en Belgique dans le groupe E, car les Toulousains sont une équipe qui a très peu joué la Coupe d'Europe ces dernières saisons. Ils ont fait un passage par la Ligue 2. Et ils vont bien entendu prendre tout ça comme la cerise sur le gâteau. Et sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 matchs nuls et 1 défaite. La défaite a été à Toulouse, mais on rappellera qu'ils ont accroché tout de même 2 gros bras de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain faisant un but partout, même si Mbappé était rentré en fin de match, ils avaient réussi à tout de même arracher un point. Et ils viennent de faire 0-0 au stade Vélodrome. Les Toulousains sont tout de même une équipe avec une ambition, même s'ils sont actuellement en deuxième partie de tableau, avec 6 points en 5 rencontres. Mais leur objectif est d'attraper le top 10. Il va falloir se ressaisir, mais ce déplacement en Belgique est tout de même compliqué. Même si l'US Saint-Gilloise vient de s'incliner à la maison contre Genk ce week-end, ils avaient réussi à se qualifier pour cette Ligue Europa, éliminant Lugano, le club suisse, gagnant à l'aller et au retour.
mais leurs débuts de championnat ne ressemblent pas aux deux derniers. Depuis leur remontée dans l'élite belge, ils avaient réussi à faire deux très bonnes saisons, luttant jusqu'au bout pour le titre, perdant même dans les arrêts de jeu de la saison dernière un titre qui leur était offert. Ils sont actuellement avec 10 points en 9e place, mais ils ont un match en retard par rapport aux autres équipes. Donc ils peuvent très bien remonter la hiérarchie et intégrer le top 4 belge. Sur cette rencontre, je verrai quand même l'Union Saint-Gilloise s'imposer 2-0 et je verrai le Drôme-Novette et le Paris remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,45. La rencontre suivante est Linz contre Liverpool. Les deux formations sont dans le groupe de Toulouse et Linz est actuellement 3e du championnat autrichien alors que Liverpool est en même position mais en première ligue. Le niveau n'est bien entendu pas le même. Linz n'est qu'à 5 points de Salzbourg et ils sont pour l'instant sur une très belle série, une très belle dynamique avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été obligés de passer par les tours des barrages et ont sorti l'équipe de Bosnie-Herzégovine de Mostar, gagnant 2-1 au match aller et faisant un but partout au match retour. Donc c'est passé de justesse, mais c'est tout de même passé. Et ils restent actuellement, toutes compétitions confondues, sur 3 victoires consécutives, une en Coupe d'Autriche et 2 donc en Bundesliga autrichienne. Mais il y a un très gros morceau, voire un énorme morceau. Peut-être que ce sera trop pour eux, mais en tout cas, Liverpool vient chez eux. Liverpool reste sur 4 victoires consécutives en première ligue. 3-1 contre Bournemouth, 2-1 à Newcastle, 3-0 contre Aston Villa. Et ils viennent d'étrier Wolverhampton 3-1 en déplacement. Donc leur attaque tourne à plein régime. Ils n'ont que 2 points de retard sur Manchester City, qui est leader pour l'instant de l'élite anglaise. Donc Liverpool va arriver gonflé à bloc et je les vois gagner 4-1 en Autriche avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,76. La rencontre suivante est le Panathinaikos contre Villarreal du groupe F. Le Panathinaikos est passé à autre chose après son élimination en barrage de Ligue des Champions contre le Sporting Braga. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives en championnat. Ils sont actuellement second à un petit point du premier, l'Olympiakos. Ils viennent surtout d'enchaîner 3 clean sheets consécutifs en championnat grec. Mais c'est une autre paire de manches contre Villarreal, car Villarreal est une équipe très compliquée à jouer quand elle joue en Coupe d'Europe. Rappelons-le, ils avaient remporté l'édition en 2021 sous la baguette de Emery, l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Cela avait été une très belle performance, mais ces derniers temps, c'est plutôt moyen. 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont actuellement 13e en Liga avec seulement 6 points en 5 rencontres. Ils se sont surtout fait étrier par Barcelone et par Cadix, prenant 7 buts sur les 2 rencontres. Heureusement, ils ont relevé la tête contre Almeria ce week-end, juste avant donc cette rencontre européenne. D'après les matchs que j'ai vus du Panathinaikos et peut-être avec l'expérience de Villarreal, je vois tout de même les Espagnols s'imposer 2-1 en déplacement et je verrai les deux équipes marquées pour assurer le coup avec une cote à 1,71. On poursuit avec Rennes contre le Maccabi Haïfa. Les Rennais sont qualifiés donc pour cette édition de Coupe d'Europe et lors du groupe F, ils vont rencontrer les Israéliens qui de leur côté sont actuellement en milieu de tableau du championnat qui vient juste de débuter avec 2 rencontres officielles. Ils ont pour l'instant 1 victoire et 1 défaite. Ils viennent de s'incliner au Maccabi Petah Tikva ce week-end après avoir gagné à l'extérieur à l'Hapoël Jérusalem. Rappelons-nous qu'ils avaient été sortis de la Champions League par les Young Boys de Berne lors des barrages où ils n'avaient pas marqué un seul but. Cela avait été très compliqué pour eux. Ils vont donc se déplacer à Rennes qui reste sur 4 partages de points consécutifs. Ils ne sont pas dans la meilleure des dynamiques possibles, mais ils n'ont pas encore perdu, sont invaincus. Ils sont pour l'instant 8e du championnat de Ligue 1. Ils ont tout de même du caractère, comme le prouve le match contre Lille où ils étaient menés 2-0 et ils sont revenus dans le dernier quart d'heure pour finalement arracher un 2 buts partout. Je les vois tout de même s'imposer, mais courtement, 2-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,68. Et on enchaîne avec le groupe de Marseille, le groupe B, avec la première rencontre, Brighton contre l'AEK Athènes. Un match pour moi déséquilibré, car Brighton est vraiment actuellement l'équipe en forme, même s'ils ont perdu un match de championnat à domicile contre West Ham 3-1, mais sinon les 4 autres rencontres se sont terminées sur des récitals. 4-1 contre Luton, un des promus, 4-1 à Wolverhampton, 3-1 ce week-end à Manchester United et une victoire 3-1 contre Newcastle. Deux des formations qui ambitionnent d'être en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est vraiment un gros tour de force. Leur équipe tourne à plein régime offensivement avec un De Zerbi à la baguette qui a vraiment trouvé la bonne formule.
pour offrir peut-être une qualification en fin de saison pour la Champions League. Ils sont actuellement 5e avec donc 12 points en 5 rencontres disputées. Et leur adversaire est l'AEK Athènes, qui n'est pas dans la meilleure des dynamiques. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une élimination de la Champions League par Anvers, le club belge, perdant à l'aller et au retour. En championnat, ils ont fait une seule victoire à Volos et ont fait 2 partages de points à chaque fois à domicile. Il y a beaucoup mieux pour affronter Brighton, même si le dernier match nul était contre l'Olympiakos, le leader du championnat. Mon pronostic sera une victoire de Brighton 4 buts à 1 et je verrai Brighton marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,97. Et on finira par la rencontre entre l'Ajax d'Amsterdam et l'Olympique de Marseille. Beaucoup de choses à dire. Du côté de l'Ajax, ils sont légèrement en crise de résultats car ils sont actuellement 12e avec 5 points en 4 rencontres disputées. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était l'élimination de Ludogorets lors du tour de qualification pour cette Ligue Europa. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont réussi à passer car ça aurait vraiment été une énorme déception. Ils ont par contre en championnat été accrochés plusieurs fois. Ils viennent de perdre à Twente 3 buts à 1 et ont fait 2 matchs nuls contre Excelsior et le Fortuna Sittard, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Ils avaient tendance à plutôt les étrier plus qu'à se faire accrocher. Mais ils vont sans doute se ressaisir contre l'Olympique de Marseille qui est en crise, qui vient de mettre le feu dans son organigramme car il y a eu une grosse pression des supporters et la direction, voire l'entraîneur, sont en train de démissionner, voire de partir. En tout cas, c'est une grosse période de réflexion. Cela va peut-être jouer sur les esprits des Marseillais qui ne sont peut-être pas au mieux, même s'ils sont actuellement 3e à égalité avec Nice en tête de la Ligue 1, mais ils restent sur 3 matchs nuls et une victoire sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont fait match nul contre Metz et Nantes alors qu'ils étaient à 11 contre 10 assez tôt dans la partie, mais ils n'ont pas réussi à remporter le succès. Et le 0-0 assez piètre contre les Toulousains qui ne sont pas à blâmer et qui sont tout de même européens, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Marseillais ne participeront pas à la Ligue des Champions. Certes, la Ligue Europa est assez intéressante à jouer avec l'Ajax par exemple et Brighton dans le groupe de l'OM, mais tout de même, les Marseillais comptaient sur cette grosse manne financière et je pense que Marcelinho en a subi les conséquences. Il va falloir donc réagir, mais sur cette rencontre, je vois une victoire de l'Ajax 1-0. Car les Marseillais ont actuellement énormément de mal à marquer. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur l'Europa League. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!